retarder ainsi, mademoiselle la neige? La neige et les loups. Les loups? Les loups, oui. Heureusement que pendant une partie du trajet, j'avais une escorte. Pour passer le temps, le lieutenant me parlait d'amour. Il voulait déserter pour moi, se tuer. Enfin, il me disait des choses sans importance. Tout à coup, les chevaux s'emballent, les cosaques tirent. J'éclate de rire au nez du lieutenant. Et les loups s'enfuient sans avoir eu le temps de manger personne. Et voilà, je vous arrive intacte, mais complètement morte. De frayeur? Non, de faim. Oh, je ne vous attendais plus ce soir. Nous nous étions mis à table. Veuillez me pardonner. Oh, mais je me croyais seule, je suis désolée. Ma chère amie, permettez-moi de vous présenter la célèbre danseuse Wanda Zalewska. Madame? La comtesse Worowska. La comtesse Worowska? Mais je la croyais... morte. Un mot qui n'a pas de sens pour moi. La comtesse est morte, en effet. Voilà 2 ans qu'elle m'attend. Ailleurs. 2 ans, c'est long. Je l'aurais déjà rejointe si je n'avais reçu d'elle la mission de veiller sur son fils. Mais dès que j'aurai rempli mon... Oh, pardon, asseyez-vous, s'il vous plaît. Pardon, je vous en prie. Que vous a dit de moi, le roi Stanislas? Oh, rien. Yeah. Mais si. Monsieur de Kempelen est... Allons. Monsieur de Kempelen est un personnage bizarre. Vous l'entendez? Comme Voltaire. C'est Voltaire qui m'a fait cette réputation. Pourquoi? Oh, parce que je me suis entouré de créatures ingénues, bien supérieures aux hommes qui ne sont que de mauvais singes. Vous ne mangez rien? Pas le soir. Oh, pardon. Vous avez tort de vivre au milieu de ces créatures sans chaleur et sans voix. Vous finirez par leur ressembler. Regardez-moi. Donnez-moi la main. Voulez-vous que je danse? Voulez-vous que je chante? Que voulez-vous de moi? Rien. Je vous déplais? Vous, vous êtes jolie. Vous êtes fine. Vous êtes délicieuse. Mais vous êtes vivante. Vivante? Mm-hmm. C'est un proche? Le cœur de la comtesse est à triple ressort d'argent. 1 pour les yeux, 2 pour les mains. La comtesse et moi, nous échangeons nos souvenirs et nos pensées. On ne communique vraiment que dans le silence. Je veux voir les autres automates. Mais vous êtes ici chez vous, ma belle enfant? Oh, mais je n'ai pas peur, vous savez. Peur? Quelle idée. Venez. Oh, monsieur Kempelen! Monsieur Kempelen, où êtes-vous? Ah. Lequel des deux êtes-vous? Faites-moi signe. Lequel? Lequel des deux? C'est... Non, c'est moi. Oh, ne me quittez pas. Non, ne me quittez pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Personne. Je voulais faire un joueur d'échecs qui gagnerait à tous les coups. Mais c'est difficile. Ah? Trop difficile. On ne fait pas concurrence à Dieu. Mm-hmm. Oh, et celui-là? Ça? Oui. C'est Monsieur Gilles. Un musicien amoureux. Ah, il chante? Il fait ce qu'il peut. Monsieur de Kempelen est un personnage bizarre. Oh, Monsieur, vous êtes le diable. De Kempelen. Et tout ceci. Est oh, je ne sais pas encore ce qu'il dit bien. Oh, oh, le bel officier. Il vous décevrait. Il est timide avec les femmes. J'en ai de plus agressifs. Qui... Non, non. Dommage. Ah! Oh!
C'est fini. Il n'y a plus de danger. L'armée de l'avenir, qui réglera les différends entre les peuples. Plus de sang versé. La victoire au plus habile constructeur. Voyez cette carcasse informe. Allons-en. Je sens que je vais pleurer, oui, c'est bête. Oui. Elle sera bientôt Wanda Zalewska. Oh non, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, 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 je ne veux pas. Oh, non. Ah, non. Qu'est-il, Boleslas? Tu m'as l'air bien agité. Je vous dérange? Non, qu'y a-t-il? Un seigneur à saison de main. Et puis viens m'inviter. Non, je venais vous annoncer. Oh, n'y touche pas, n'y touche pas. C'est fragile. C'est un cœur. Maintenant, c'est quoi? Eh bien, voilà. J'en ai longtemps douté, j'ai voulu me mentir à moi-même, mais... Mais? J'aime Sonia. Tu aimes Sonia? C'est très bien. Monsieur... Ensuite? Mais ne vous moquez pas de moi, Sonia, toute ma vie, tout mon enthousiasme. Je veux l'épouser. Sonia est une enfant. Justement, elle a besoin d'être protégée. Sonia est en danger? Peut-être. À qui la faute? Qui l'a choisie comme héroïne de la Pologne? Moi. C'est un autre danger dont je veux parler. Sonia est tendre et à la merci d'un... Quoi? Tu es jaloux? Tu as peur que Sonia aime un autre? Je ne veux pas qu'elle épouse un russe, celle l'âme de la vieille Pologne. Oh, monsieur, je vous en prie, ne secouez pas ce fil de fer. Je te répète que c'est un cœur. Et je le refroidis. Dites-moi, vous m'approuvez, dites-moi, vous m'aiderez. Tu le sais bien. Mais ne te grise plus avec tes idées de robot. Ne compromets pas Sonia, inutilement. C'est la condition que j'y mets. Merci. Comment la trouves-tu? Ravissante. Qui est-ce? Le colonel Boleslas Worowski, Wanda Zalewska, l'étoile des ballets de Varsovie. Charmé de vous connaître, colonel. Vous êtes la fille de... la comtesse Worowska. Ah, et vous êtes? Un personnage bizarre. Écoutez. Oh! Il bat. Oui, pour la première fois, vous pourrez vous voir danser et vous applaudir vous-même, mademoiselle. Est-ce que je peux danser avec elle? Essayez. Oh, elle danse mieux que moi. Je l'arrête. La tête commence à lui tourner. Oh. Ah, Baron, vous avez beau faire, les cœurs de vos personnages ne leur serviront jamais qu'à sourire et qu'à danser. Mes hommages, madame, à demain. Au revoir, Baron. Au revoir. Oh, il est charmant. Quelle ardeur. Il est amoureux. Thank you.
Oui. Pas trop serré? Non. Les jambes? Mal. Pourrais-tu rester là dedans des heures? Je ne sais pas. Pour entrer dans la peau du personnage, on t'y laissera un peu plus longtemps chaque jour. Oui. Comment? Bégué! Je manque d'habitude. Pauvre ami, quel supplice! Nous n'avons pas le choix. Il faut sortir d'ici. Et vite. Évidemment, l'entreprise n'y va pas sans difficulté ni sans danger. Quand partirons-nous? Oh, le but de voici, merci. Oui, 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 oui. Pauvre ami, oui. Oh là là. Voilà. C'est Major Nikolaïev. Sorte là-dedans. Sonia, dans sa chambre. Simple visite. Domicilien. Non. On entend chez vous, j'ai laissé le policier à la porte. Alors, il n'y a plus personne? Si. L'homme. L'artiste. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce pèlerin-là? Ça, c'est mon joueur d'échecs. Ma dernière création. 15 ans de travail. Il joue vraiment aux échecs? Oui, oui, oui. On peut l'essayer? Je vous en prie. Prenez garde, il n'est pas sec, je suis en train de le perdre. Je connais ce coup-là. Mais il joue par un sabot, votre Turc. Que voulez-vous? C'est une mécanique. Vous avez gagné? Non, mais j'en ai assez. Prenez-vous vos automates? Quelquefois. À des gens qui les méritent. Et très cher. Et vous avez amateur pour le joueur d'échecs? Non. Et pour celle-là? Oui. C'est une commande du roi Stanislas. J'irai lui livrer à Varsovie. Emmenez l'on votre Turc en même temps. Non. Il amusera le roi. Vous croyez? Sa Majesté est un maître aux échecs. Le Turc, la danseuse, un vrai déménagement. Non, oh, non, non, non. Je vous donnerai du monde, des chevaux, une escorte. Quand partez-vous pour Varsovie? Rien ne presse. Ah, bien sûr. En tout cas, je reste à votre entière disposition. Revenez-moi seulement la veille. Non, non, vraiment, merci. Je te rendrai d'amuser. Du tout. Pour amuser le roi. À bientôt. Tu l'as entendu? Oui, oui. Ça? Ah, ma petite Sonia. Alors, qu'a-t-il dit? Je te raconterai. L'aventure commence. Et c'est vous, mademoiselle, qui aurez l'honneur du premier pas.
C'est charmant. Nous avons trouvé curieux ce petit balai mécanique. Le baron de Kempelen est un personnage bizarre. Je voudrais voir maintenant le joueur d'échecs. Votre turc, baron. Je voudrais bien le voir, moi. Votre turc, là. Sire, nous n'attendions que votre bon plaisir. Absolument rien, comme votre majesté peut le constater. Oui, je vois ce que c'est. C'est de l'algèbre. De l'algèbre à ressort. Exactement. Que votre majesté daigne désigner les joueurs le plus digne. Le plus digne? Mais voyons, baron. Le plus digne, c'est le roi, forcément. Si, nous n'osions espérer un tel honneur. Le jeu d'échecs est un jeu royal, monsieur le baron. Et nous saurons en tirer notre épingle, bien qu'il soit renouvelé des Grecs, comme l'on dit. Si, c'est à vous d'attaquer. Attaquons. Mon cher. Il joue très bien. Nous saluons et nous poussons ce cavalier. Oh. Oh. Il a rasé ma tour. Baron, nous sommes vaincus. Si, et pas encore. Je vous dis que nous sommes vaincus. Votre main eux-mêmes tient. Oh, je ne peux plus rien faire. Ce turc est mathématicien. C'est Pythagore. C'est Archimède. Si, vous me comblez. Je vous l'achète. Impossible, Majesté. Impossible n'est pas polonais. Combien en voulez-vous? Tire, le joueur d'échecs est déjà vendu. À qui? À Sa Majesté, l'impératrice de Russie. Mais c'est à elle que je voulais justement l'offrir. Tout est bien. Je suis sensible au grand honneur que me fait votre souverain major Nikolaïev. Mais j'ignorais... Remerciez Sa Majesté le roi, grâce à qui vous la prenez. Jusqu'à Pétersbourg, les routes ne sont pas sûres. Je vous ferai donc escorter, monsieur le baron. Sire, le prince Serge Oblonsky est déjà commandé de service. Alors, quand partez-vous? Peut-être... Aujourd'hui même. Déjà? Si votre majesté le permet. Bon, bon, bon. Monsieur le baron, n'oubliez pas de dire de ma part à Sa Majesté, dès que vous la verrez, la troïka est-elle légère? Et le tournesol en fleurs. Elle comprendra. Prince, je vous confie monsieur de Kempelen et son merveilleux joueur d'échecs qu'il faut garder des importuns. Je suis ravie de mon nouveau jouet, Kempelen. Votre Majesté veut-elle l'essayer ce soir même? Oh non, demain, un séjour, nous verrons. Il m'intimide un peu, c'est vrai. Dites-moi, Kempelen, je n'ai pas pu vous demander tout à l'heure devant tout ce monde. Quelle nouvelle de Sonia? Majesté, la pauvre enfant craint vos rigueurs. Elle s'est enfuie. Où? La nuit, seule. La neige, les loups. Oh, vous savez, on exagère beaucoup avec les loups. Et Boleslas? Mort. C'est sûr?
J'ai perdu tout espoir. On a quelquefois des surprises. Majesté, s'il revenait, pardonneriez-vous? Je connais votre cœur. On gouverne les hommes avec la tête, Kempelen. On ne joue pas aux échecs avec un bon cœur. Aux échecs? Pourquoi aux échecs? C'est un mot de Rivarol.